Voilà, les bonnes 13.51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33, 14 ODR 002 QTH Sainte-Colombe. Alors on est le samedi 6 août 2016, c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Alors Chameau, les bonnes 13.51, l'autre station que j'ai entendue aussi, les bonnes 13.51, retour à l'OM qui s'est signalé en premier. Affirmatif, les bonnes 13.51. Ok, bonsoir à tous. Ici Daniel, 92 QTH, département 24-33, sur la département, les limites des deux départements. Et je suis en mode portable. Voilà. Bien, bonsoir à tous. Il y a fort longtemps que je n'étais pas venu pour un QSO du soir, mais comme je suis tout près de vous, je vous entends un petit peu plus fort. Dundee, donc, Rémi 73, et je salue l'ami Chameau, bien sûr, le QRA. Alors, je suis en mode portable, je t'écoute, je transmets avec un Nikon 7000, et l'antenne est une carbonde placée à 2 mètres 50 du sol. C'est une antenne verticale pour voiture, elle fait 2,65 m en fibre de verre pleine et 3 radios à la base pour faire plein de masse. Voilà, tu sais tout, tu reprends. Ok, d'accord, les conditions de trafic de mon côté. Et bien là, ce soir, c'est un tout nouveau CRT SS 7900, flambant neuf. Je l'ai que depuis samedi dernier, voilà, c'est tout. Sur le salon radio de Marraine, mais de Port-des-Barques. Enfin bon, bref, organisé par le REF 17. Et pour l'antenne, et bien c'est une Mantova 8 qui est perchée à 9 mètres de haut. Voilà de mon côté les conditions de trafic, plus plus le reste, Hachi. Les 2073 Chameau, retour de micro sur toi. Ouais, enfin, exceptionnellement, Port des Barques pour cette année. Ah ouais, c'était génial. Hein. Bon, il y a eu un peu moins de monde que l'année dernière, mais l'ambiance était que meilleure. Et c'était vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, si tu traînes un petit peu sur Internet, tu verras, il y a quelques vidéos de fêtes. Et comme à chaque fois, la station était active là-bas. Donc les OM ont pu tourner là au micro de ça et ils ont fait pas mal de contacts d'ailleurs sur il y a eu une bonne propague en plus sur les départements français. Ça a été tout simplement génial quoi, puisque certains contactés attrapés par les différents OM qui ont pris le micro nous ont ensuite rejoint sur le salon. Donc tu vois là c'était nickel, plus le petit apéro en fin de matinée, voilà, avant de passer au gastro. Nickel, rien de manqué. Oui, enregistrez le break. Ok, en avant le break. Oui, 65-51 à tous, c'est 14, Victor Eco 27. 14 0 27, l'opérateur Eric, bonsoir. Les bonnes 73-51, Eric, attends, je regarde un truc, ok, c'est bon, tout est nickel. Les bonnes 73-51, Eric, voilà, alors ce soir, on a Chameau qui est avec nous, voilà. Bon, lui, il est au pro de son côté, et du côté du département 24 en station portable, on a Daniel 92. Tu vois, je pensais, hier soir, on a eu Daniel, que je retrouve ça, Daniel 428, autrement dit, indicatif 14 AT 430, et bien ce soir c'est Daniel 92 qui est parmi nous. Retour Eric. Ok, c'est pour ça que je salue aux deux stations, aussi les deux stations qui sont à l'écoute. Par contre, pour info, le 270, la fréquence est beaucoup plus propre. Hein.
Ok, tu proposes qu'on bascule de suite sur le 270? Le quoi, pardon? Ah oui, d'accord. attends deux secondes. Ok, voilà, tu proposes qu'on bascule de suite sur le 270? Ah ben là, j'appelle la station qui est survendue le petit peu tout le monde, là, sur le 270, c'est propre, hein. D'accord, ok. Alors, en uniforme Sierra Bravo ou Lima Sierra Bravo? On peut rester en uniforme Sierra Bravo pour le moment, parce que c'est vraiment du bon poste. Ok, Chameau, tu te décales un petit peu vers en dessous. Voilà, ah bah si, t'as l'affiche, t'as le fréquence mètre. Daniel 92, bon, toi, il n'y a pas de problème, tu peux suivre. On passe tous sur le 27-270. C'est parti pour moi. Ok, voilà, ça y est, arrivé. Chameau, vas-y, là, je prends un petit peu le micro, là, je garde un petit peu le micro, de temps que tu te cales comme il faut sur moi. Pardon. Ça fait un moment qu'on ne t'avait pas entendu, Chameau. Bon, je sais que tu es pas mal occupé de ton côté. L'antenne, c'est une Santiago 600, hein, et non pas 800, à moins que tu aies la langue à fourcher. Et c'est vrai qu'elle marche bien, cette antenne. Tiens, j'en ai encore parlé, là, c'est quand? C'est ce matin, là, sur le forum. Toi, c'est vrai qu'il ne savait pas trop quoi prendre comme antenne pour son 1000 pattes. Eh bien, je l'ai envoyé droit sur la 600, justement, Hachi. Retour Chameau pour voir comment tu es. Et en plus, hier sur le QSO, dès le début du QSO, hein, ça a breaké de pas mal de régions. On a même eu la Claude 14 Eco Delta 590 de la frontière franco-belge. Donc c'est vrai que la propague a pas mal continué. Retour de micro sur Daniel 92 pour Eric qui vient d'arriver dans le QSO. Qui est donné, c'est du 59, Chameau c'est du 41, et Eric c'est, mais je vais te repasser le micro avec tes salutations du soir, comme ça je regarderai ce que j'ai comme où est-ce mettre. Alors il rentre de suite. Retour des micros à toi Eric. 73 égale CA, Daniel 92, mais je ne le copie pas du tout, je ne sors pas du tout. Alors je ne sais pas si maintenant les meilleurs chiffres d'Eric 14 sur Eco 27. Voilà, je vais te retourner le micro. Juste pour info, j'ai un break qui existe ici, allez, voilà. Ok, d'accord. Je l'ai pas entendu le break. Ouais, bon Daniel, là, Daniel 92, bon t'entends Eric, mais là c'est pas réciproque. Eric, t'as eu un break, eh bien vas-y, fais-le rentrer. Ok, ça pour ça. Ok, oui le break à l'avant. Ça le sent bien, mais par contre, ça la chambre d'écho qui est trop poussée, hein, voilà. C'est Christophe de Langoran qui vient de signaler. Ok, d'accord, c'est vrai que là il m'est arrivé à ses QRP et puis j'ai pas mal de QRM de mon côté. Eric, je viens de penser à toi à l'instant, je viens de sortir le Roger Beep. Voilà, je vais prendre soin de tes oreilles. Bon, mais laisse-le, hein, c'est
c'est pas grave, c'est pour les autres stations, moi, ça me dérange pas, hein. C'est juste pour te laisser aller. Excusez-moi, là. Oui, Jean-Paul, les Mosso 1351 du groupe. Bonjour à tout le monde, je vous en prie. Juste un petit coucou, je reste pas très très longtemps. Bonsoir Eric, bonsoir Nandy, et puis je ne sais pas qui c'est qui est entré derrière. J'ai entendu le break, mais il y avait de l'écho dessus, j'entends bien, mais il y avait un peu trop d'écho pour la compréhension, donc voilà. Retour Eric, si tu m'entends. Oui, 100% Jean-Paul, ouais, ça c'est bien, il n'y a aucun problème, voilà. Mais le vif, pardon, le break qui s'est signalé, c'est Christophe de la Morin, voilà. Je vais lui retourner le micro, il y a pas, je pense. Ok, ouais, c'est vrai que d'origine, c'est vrai, j'en ai discuté avec Radio M33, d'origine l'écho est beaucoup trop poussé, quoi. Et si tu veux le sortir l'écho, si t'as pas eu le temps de regarder là sur le bouquin, tu fais un coup long là sur le bouton orange là de gauche, là où il y a marqué bande tonne, c'est lui qui te permet de sortir l'écho. Et les 73 en même temps, Christophe, je sais plus si je te les ai envoyés. Ouais, c'est vrai, c'est quand même plus propre. C'est con que j'ai un QRM là qui tourne autour de 5-7 là de mon côté, là, un bon 5. Parce que là, je, sans ça, j'arriverais mieux le sortir, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est juste un coup long sur le bouton là de gauche, là où il y a marqué bande, tonne. C'est lui justement qui active et désactive l'écho. Attends, il y a quelqu'un qui parle. Eric, j'entends plus personne. Ouais, ça y est, mais il vient de dire que c'est bon, il faut qu'il cherche pour le baisser, mais là il a coupé pour le moment, voilà. Alors, le réglage se fait à l'intérieur. Quand on retourne le poste et qu'on l'ouvre, c'est vers le début de la platine, à côté, côté façade, côté droit. Il y a deux petits réglages. Et c'est ces deux-là justement qui permettent de jouer. Moi, ce que j'ai fait de mon côté, c'est j'ai démarré de 0 plus 1. Autrement dit, je suis juste tout juste là, sur le seuil de déclenchement et pas plus, quoi. Voilà. Ce qui fait que ça permet de booster la modulation sans pour autant avoir un écho chiant derrière, quoi. Ouais, retour Christophe. Il faut
Ok, pour la radio, Christophe, tu vas dans le menu, et c'est le menu numéro 1. Voilà, le réglage d'usine, le réglage par défaut est à 30, tu le pousses à 36. Voilà, je te le répète doucement, tu un coulon sur le bouton menu, là, qui est en dessous, et c'est le menu numéro 1 que tu vas trouver. Tu appuies sur le bouton de changement de fréquence là, que tu as en bas à droite pour le mettre en clignotant et tu le fais passer de 30 à 36. Comme ça, ça te permettra là, de booster un peu plus la radio. Hein. Ok, pas de problème. Merci de ton passage. Retour de micro sur Daniel 92 pour Jean-Paul, là qui passe en QRT. Ok, 73 Jean-Paul, bonne soirée, bonne nuit. Et puis je te dis peut-être à demain. Ok, sans problème, pas sûrement à demain. Voilà, donc non, mais c'est. Je peux pas expliquer pourquoi, mais voilà, je peux pas rester trop longtemps. Plus, terminé. Ok, Chameau, tu t'étais signalé tout à l'heure. Vas-y, Chameau, retour de micro. Ok, ok. Bon, le monde 73 à Jean-Paul qui va partir. Le monde 73 à Eric que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Le monde 73 à Christophe aussi que je crois que j'ai eu avant-hier. J'ai eu un certain François aussi, d'où il était, je ne sais plus. Voilà, le monde 73 de tout le monde. J'ai vu sur Facebook là, la petite vidéo de ton poste là. Nickel, il est super, quoi. Il est super, c'est vrai qu'on t'entend vachement mieux avec la qualité est vachement moyenne, quoi. Ouais, c'est vrai que là, je suis le plus heureux des hommes, là, chie. Là, c'est vrai qu'il marche bien. Hein. Là, c'est vrai que là, j'en tiens un bon, là, ce coup-ci. Là. Je veux pas dire que les précédents étaient mauvais, loin de là, bien au contraire. Hein. Ils sont tous excellents. Et c'est vrai que celui-ci, c'est encore un niveau au-dessus, et pour le prix, il est quand même bien. D'accord, Christophe, Eric, vous avez les 73-51 de Chameau. Voilà, car bon, il n'a pas la propague est mauvaise de son côté. Hachi trois coups. Oui, oui, Christophe. Ok, est-ce qu'on a Fredo ce soir avec nous dans le QSO? Pas de Fredo pour le moment. Ok, peut-être tout à l'heure, retour Eric.
Ok, voilà, ben on va laisser les stations rentrer quand même. S'il y a des stations qui veulent participer au QSO, on va aller dans les stations. Non, non, j'ai rien non plus de mon côté, là, pour le moment. Delu 33, est-ce que tu es des nôtres? Bon, s'il est toujours sur Angoulême, apparemment, bon, non. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles. La tour de contrôle, t'étais avec nous hier soir, je sais pas si tu seras là ce soir. Entendu le Ludovic, voilà. Bon, est-ce que la tour de contrôle est par là? Eh, t'as vu Eric, c'est le jour et la nuit entre hier soir et ce soir, hein. Ah oui, en avant le siffleur. Oui, le siffleur. Bon, d'accord. Là, c'est la surprise du soir. Si hier soir, au contraire, là, on était assaillis de tous les côtés, ce soir, ben, on a toute la place pour nous, quoi. Hach, trois coups. Est-ce qu'à tout hasard, ça serait pas Luc? Je sais pas, en principe, je l'entends pas, là, depuis mon QRA. Mais bon, sur un coup de sifflet, c'est possible? Il veut un break, lui. Ah, ok, vas-y, Eric. Oui, la station qui s'est manifestée, là, le toc-toc-toc, à l'avant. Moyen, ça sent le train, c'est fait lourd, c'est ça? Ok, Fredo, mais 73, aussi, la journée, ça a été impeccable, voilà. Donc, Rémi, je te retourne le micro, il y a Fredo qui vient l'arrivée. Ok, Fredo, on a d'autres stations, les bonnes 73-51, toi, Fredo, déjà pour commencer. Alors, est-ce que tu es toujours aussi timide à Chitroacou? D'autant plus, ce soir, on a Chameau en mobile, qui est pas très loin de Castillon la Bataille. On a Daniel 92 qui est en station portable sur le département 24. Voilà, retour de micro à toi, Fredo. Ok Fredo, t'es en petite puissance là, j'imagine, non? Ah ouais, ça se sent, ouais. Parce que déjà que là, j'ai un QRM de 5 là, de mon côté. Alors là, c'est vrai que là, on sent bien que l'émission est pas très épaisse, quoi. Retour de micro sur Daniel 92 pour voir Fredo. C'est quoi des... attends que je regarde. Je regarde vite fait. Est-ce que je l'ai marqué? Non, j'ai pas noté ton QTH, Fredo.
Ah zut, Eric, est-ce que tu peux me faire le QSP s'il te plaît? Oui, c'est le QTH, c'est Saint-Morillon. Saint-Morillon, par rapport à Bordeaux, c'est dans quelle direction? Saint-Morillon, c'est en allant vers Saint-Sève et tout ça là. Ouais, bien sûr, et par rapport aux points cardinaux? Direction Cadojac et c'est continué. Ouais, bon, ok, d'accord, je regarderai comme ça sur une carte pour avoir une meilleure idée, parce que là, ça... Oui, c'est des noms que je connais, mais j'arrive pas à les resituer sur la carte. Ok, c'est pas grave. Retour de micro à Daniel 92 pour voir s'il a réussi à entendre Fredo. Oui, mais juste pour info, tu t'es décalé, là. Ah, bon, non, j'ai rien touché, voilà. À moins que ça mes oreilles, mais moi, je t'entends aussi, ouais, pas plus sourd. Ah, d'accord, ok. Et là, comme ça, ça va mieux, là. Moi, je sais pas, un petit peu bas, voilà. Je sais pas si c'est aussi en face. Alors, peut-être que j'étais mal aussi devant le micro, je sais pas. Bon, ouais, le poste, il est comment Ah ben, j'ai la main, pourtant je suis bavard, j'ai la main sur le radiateur, il est eh ben, il est froid le radiateur. Je trouve un peu plus bas, 269. Ouais, bon, c'est un poil de... je reste poli. Hachi. Ouais, ouais, ben, tu vois, hein, là, comme si à l'instant, là, j'ai la main sur le radiateur derrière, il est froid. Juste allez, hein. Oui, oui, ok, merci pour l'info, Hachi. Attends deux secondes. Ok, Daniel 92, retour de micro à toi pour Fredo. Et si tu l'entends pas, Fredo t'envoie les bons 73. Ok, alors 73 Fredo, je le reçois très QRP sur la limite de l'inaudible. Donc si lui m'entend, je lui envoie mes 73. Voilà, toujours 59 avec une petite pointe de vin, Rémi. Et puis ça monte. C'est variable, donc ça veut dire que quelque part il y a des petites variations d'ondes sur le relief. Bon, ben sinon moi je vais pas faire plus long non plus, j'ai quelques obligations à faire, et puis ça va être l'heure après du 144. Voilà, bon alors ben Rémi, je te repasse le micro, je fais tous mes 73 à toute équipe. Je reste le temps que je fasse mon obligation, je reste à l'écoute et après j'éteins et j'en vais. 73 à tous, Rémi, tu comprends. Ok, Daniel 92, ben, je vais passer le message pour tout le monde. Daniel 92, la passe en QRT, il y a d'autres obligations de ce côté, donc il envoie les bons chiffres à l'ensemble du groupe. Voilà, il passe en QRT, j'ai déjà dit. Retour du micro sur...